Alors, bonjour les amis, heureux de vous retrouver en ce mardi 24 novembre 2020, 14h56, heure du Québec, avec un lien qui m'a été envoyé par une abonnée, Réjeanne, qu'on salue très amicalement, qui est très dévouée, et qui est le suivant, quelque chose de fascinant pour ceux qui sont intéressés par l'astronomie. Ça nous vient du matin, le matin.ch, qui nous dit, ça a l'air d'être un journal suisse, ou un site suisse, un phénomène céleste très rare, visible depuis la Terre. Le 21 décembre, une apparition astrale pourrait être observée à l'œil nu pour la première fois depuis le Moyen Âge. Rien de moins. Oh là là! Les astronomes de l'Université Rice au Texas ont annoncé la venue d'un phénomène rarissime qui sera perceptible à l'œil nu depuis partout sur Terre le soir du 21 décembre et qui ne se représentera pas avant 2080. C'est un spectacle rarissime que le ciel s'apprête à nous offrir à la tombée de la nuit du 21 décembre. Des astronomes de l'Université Rice ont annoncé que Jupiter et Saturne se rapprocheraient à tel point que nous pourrions percevoir une forme de double planète. Des alignements entre ces deux planètes sont déjà plutôt rares et se produisent une fois tous les 20 ans environ. Mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de leur proximité, affirme le physicien Patrick Artigan dans Science Alerte. Il vous faudrait remonter jusqu'à l'aube du 4 mars 2026 pour assister à un tel phénomène. Depuis cet été, les deux planètes se rapprochent. Lorsqu'elles seront plus proches le 21 décembre, elles ressembleront à une double planète séparée seulement de 1/5 du diamètre d'une pleine lune, poursuit Patrick Artigan. Le phénomène sera visible n'importe où. Imaginez-vous sur Terre, bien que le meilleur point d'observation reste à proximité de l'équateur, et encore faut-il que la météo soit favorable et la pollution lumineuse suffisamment faible. Jupiter et Saturne apparaîtront quelque temps bas dans le ciel, une heure après le coucher du soleil, selon les experts de l'Institut. Il faudra ensuite attendre le 15 mars 2080 pour que cet alignement ait lieu à nouveau, puis en l'an 2400 par la suite. Oh! Oh, oh! Vraiment fascinant. Je reviens avec d'autres nouvelles aussi fascinantes, ou peut-être pas, mais je vous reviens quand même.